Et voilà, là nous sommes à Mr. Sandman, l'avant-dernier avant le champion. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une autre paire de manches, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus fort. Alors Mr. Sandman, c'est un peu comme Balbule, il va vite, il est fort et surtout il a une suite de 3 crochets. Et qui sont assez compliqués à esquiver, mais quand vous les esquivez, là vous pouvez le frapper pendant une certaine période. Alors également, ce qu'il faut voir avec Mr. Sandman, c'est que là il vous envoie des directs, mais à un moment il vous envoie des crochets. Et ce que vous devez faire, c'est évidemment l'éviter, ensuite lui mettre un coup à la tête, et ne pas continuer par la tête, mais directement frapper dans l'estomac, ou sinon ça ne donnera rien. Voilà, donc là, on en a au crochet, vous tapez la tête, et puis l'estomac. Et alors ici, c'est pas mal, parce que c'est assez systématique. Vous tapez, il esquive, il vous retape directement dans la foulée, donc comme ça vous restez dans le rythme, et puis après vous lui mettez 3 coups dans l'estomac. Bon, évidemment, vous perdez chaque fois un cœur, mais bon, là on en a quand même quelques-uns. Bon, malheureusement, ces 3 coups dans l'estomac, évidemment, ne prennent pas tant d'énergie que ça. Alors là, il va s'apprêter à faire ses 3 crochets. 1, 2, 3, voilà, très bien. Donc là, vous avez un peu de la marge, vous pouvez lui asséner, voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai pu lui mettre 14 coups dans l'estomac. Ce qui aide. Alors le problème de ces, enfin, la difficulté de ces crochets, c'est que déjà si vous touche, vous êtes très mal. Et en plus, il faut vraiment pouvoir esquiver les 3 crochets pour pouvoir bénéficier d'au moins ces 14 punches dans l'estomac. Voilà, donc vous continuez, c'est extrêmement systématique. On tape, il esquive, il retape, on réesquive, un coup à la tête, 1, 2, 3 coups dans l'estomac. On esquive, un coup à la tête, 1, 2, 3. On tape, on esquive, c'est vraiment le même scénario. Donc évidemment, vous avez compris que Mr. Sandman, c'est un client. Il faut vraiment y aller sur la durée. Extrêmement arrogant également. J'ai bonne mémoire, il vient de Philadelphie, hein, pour rappel, c'est de là que venait, je pense, Rocky. Donc là, il me dit « Bedtime for Little Mac », donc il m'invite à aller dormir. Bon, là, j'appuie sur « Select » pour essayer de regagner un maximum d'énergie. Ouais, moyen, moyen. Bon, voilà, donc là, il me reste quelques coups sur le deuxième round, donc on peut tenter... de le battre sur ce round-ci. Donc là j'ai une fois au KO, une fois au tapis. Ah c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais mettre 15 coups quand même. 2, 3, et on continue. Voilà, on est bien parti pour le mettre une deuxième fois au tapis. Et ben voilà, Sandman. Donc ça, c'est pas mal, hein. 57 secondes dans le deuxième round. Il a déjà été des 2 fois, donc il va falloir éviter sa grosse attaque. Et il y a une chance pour que... Voilà, là, il va sortir sa grosse attaque. Allez, vraiment, il faut... Voilà, c'est super, 15 coups. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà, au revoir Sandman. Alors évidemment, ici, ça a l'air simple. J'aime autant vous dire que c'est pas toujours aussi facile. Je vous invite d'ailleurs à essayer. Alors, on arrive au dernier. Alors là, c'est les nerfs qui vont en prendre un coup avec Super Macho Man.